French for a quarter to six is 6h moins quart. 6 hours minus a quarter. A cuckoo clock is une horloge cuckoo. If your clock is broken, you don't say cassé, but brisé. To repair a broken clock is réparer une horloge brisée. What's the time? Quelle heure est-il? A watch, une montre. To indicate is indiquer. All the months of the year are indicated on this watch. Tous les mois de l'année sont indiqués sur cette montre. Bonjour. Bonjour. 6h moins quart. Bonsoir. Oui, bonsoir. 6h moins quart. Vous avez quelque chose à faire réparer? Et mon horloge coucou. Votre horloge coucou est brisée. Et mon coucou était sur le mur et tout à coup, blablabla, tombé. Blablabla. Votre horloge est tombée. L'horloge est brisée. Je dois réparer l'horloge brisée. Ce n'est pas l'horloge qui... Vous ne voulez pas que je répare votre horloge brisée. Alors, vous voulez acheter une horloge? Oui, non, pas vraiment. Quelle heure est-il? Pardon? Quelle heure est-il? Je ne sais pas. Bon, vous voyez. Si vous ne savez pas quelle heure il est, vous avez besoin d'une horloge. Oui, mais je ne veux pas d'une horloge. Alors, vous avez besoin d'une montre. Non. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Tous les jours de la semaine sont indiqués sur cette montre. Nous sommes quel mois? Tous les mois de l'année sont indiqués sur cette montre. Janvier à décembre. Une horloge coucou. A cuckoo clock. Réparer. To repair. Brisé. Broken. Une montre. A watch. You must not fall asleep. Vous ne devez pas vous endormir. Se coucher means to lie down or to go to bed. Dormir means to sleep. And s'endormir, to fall asleep. Wake up is réveillez-vous. That's why the wake-up bugle call in the army is known as réveille. Réveil. An alarm clock is un réveil, or un réveil matin. 6 o'clock is much too early for me. 6 heures est beaucoup trop tôt pour moi. Non, monsieur, vous ne devez pas vous endormir ici. Il ne faut pas s'endormir ici. Réveillez-vous! Réveillez-vous! À quelle heure est-il? Oh mon Dieu! Je ferme le magasin à 6 heures. Qu'est-ce que je dois faire? Ah! Il a besoin d'un réveil matin. Vous ne devez pas vous endormir ici. Réveillez-vous! Me réveiller? Oh, c'est difficile. Surtout le matin. Alors, vous avez besoin d'un réveil matin. C'est le réveil matin qui m'a réveillé? Oui, monsieur. Vous voulez acheter le réveil matin? Je ferme le magasin à 6 heures. Et il est presque 6 heures maintenant? Oui, monsieur. Vous voulez acheter le réveil matin? Non. Pourquoi pas? Parce que je ne veux pas être réveillé à 6 heures. C'est beaucoup trop tôt pour moi. Vous ne devez pas vous endormir. You mustn't fall asleep. Réveillez-vous. Wake up. Un réveil matin, an alarm clock. Beaucoup trop tôt, much too early. An alarm clock wakes you at any time. Un réveil matin peut vous réveiller à n'importe quelle heure. Saturday and Sunday too, le samedi et le dimanche aussi. In summer and in winter, en été et en hiver. In autumn and in spring, en automne et au printemps. You've got 30 seconds to decide. Vous avez 30 secondes pour vous décider. Finally, he never sings. Il ne chante jamais. Monsieur, un réveil matin peut vous réveiller à n'importe quelle heure. N'importe quelle heure? Bien sûr. À 4 heures, 5 heures, 6 heures. Le samedi et le dimanche aussi? N'importe quel jour. En été, en hiver? En été, en hiver, en automne, au printemps. Ah, bien. Alors, vous l'achetez. Non. Monsieur, je ferme mon magasin à 6 heures. Vous avez 30 secondes pour vous décider. Pour me décider quoi? Pour vous décider si vous voulez acheter une horloge, une montre ou un réveil matin. Mais je ne veux pas acheter un réveil matin, ni une montre, ni une horloge.
Pourquoi pas? Parce que j'ai déjà une horloge. Mais elle est brisée. Vous voulez que je répare votre horloge? Vous avez 15 secondes pour vous décider, oui ou non. Non. Mais vous m'avez dit qu'elle est tombée et qu'elle est brisée. Ce n'est pas l'horloge qui est tombée. C'est le coucou qui est tombé. Et maintenant, il ne chante jamais. À n'importe quelle heure, at any time, en été et en hiver, in summer and in winter, en automne et au printemps, in autumn and in spring. 30 secondes pour vous décider. 30 seconds to decide. Now, here's the complete sketch again. Bonjour. Bonjour. 6h moins quart. Bonsoir. Oui, bonsoir. 6h moins quart. Vous avez quelque chose à faire réparer? Et mon horloge coucou... Votre horloge coucou est brisée. Et mon coucou était sur le mur et tout à coup, tombé. Votre horloge est tombée. L'horloge est brisée. Je dois réparer l'horloge brisée. Ce n'est pas l'horloge qui... Vous ne voulez pas que je répare votre horloge brisée. Alors, vous voulez acheter une horloge? Oui, non, pas vraiment. Quelle heure est-il? Pardon? Quelle heure est-il? Je ne sais pas. Bon, vous voyez. Si vous ne savez pas quelle heure il est, vous avez besoin d'une horloge. Oui, mais je ne veux pas d'une horloge. Alors, vous avez besoin d'une montre. Non. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Tous les jours de la semaine sont indiqués sur cette montre. Nous sommes quel mois? Tous les mois de l'année sont indiqués sur cette montre. Janvier à décembre. Non, monsieur. Vous ne devez pas vous endormir ici. Il ne faut pas s'endormir ici. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Quelle heure est-il? Oh, mon Dieu. Je ferme le magasin à 6 heures. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, il a besoin d'un réveil matin. Vous ne devez pas vous endormir ici. Réveillez-vous. Me réveiller? Oh, c'est difficile. Surtout le matin. Alors, vous avez besoin d'un réveil matin. C'est le réveil matin qui m'a réveillé? Oui, monsieur. Vous voulez acheter le réveil matin? Je ferme le magasin à 6 heures. Et il est presque 6 heures maintenant? Oui, monsieur. Vous voulez acheter le réveil matin? Non. Pourquoi pas? Parce que je ne veux pas être réveillé à 6 heures. C'est beaucoup trop tôt pour moi. Monsieur, un réveil matin peut vous réveiller à n'importe quelle heure. N'importe quelle heure? Bien sûr. À 4 heures, 5 heures, 6 heures. Le samedi et le dimanche aussi? N'importe quel jour. En été, en hiver? En été, en hiver, en automne, au printemps. Ah, bien. Alors, vous l'achetez? Non. Monsieur, je ferme mon magasin à 6 heures. Vous avez 30 secondes pour vous décider. Pour me décider quoi? Pour vous décider si vous voulez acheter... une horloge, une montre ou un réveil matin. Mais je ne veux pas acheter un réveil matin, ni une montre, ni une horloge. Pourquoi pas? Parce que j'ai déjà une horloge. Mais elle est brisée. Vous voulez que je répare votre horloge? Vous avez 15 secondes pour vous décider, oui ou non. Non. Mais vous m'avez dit qu'elle est tombée et qu'elle est brisée. Ce n'est pas l'horloge qui est tombée. C'est le coucou qui est tombé. Et maintenant, il ne chante jamais.